délégation. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment d'œuvre accomplie, parce que ce tournoi nous tenait à cœur et aujourd'hui, elle se termine dans l'apothéose. Nous sommes très comblés, nous sommes très satisfaits. Nous remercions d'ailleurs tous ces élèves-là qui ont été toujours sur ce chaud soleil, sur le terrain pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Chaque année, nous organisons ce tournoi et cette année, il y a eu un cachet particulier. Mais il faut reconnaître que le tournoi, chaque année, nous l'organisons. Cette année, c'est sous la coupe de Ousmane Camara aussi. Notre ancien élève qui évolue à Sarraj FC à Dubaï. Pendant le sens que tu avais, il n'a pas de côté masculin parce que je sais que j'ai une bonne équipe. Merci beaucoup à cette équipe d'ailleurs. La prochaine édition, nous sollicitons vraiment la présence de ces membres de gouvernement parce que déjà, si c'est sur le plan sportif, il faut rappeler que le ministre tutelle Béa, il est très bien placé. Surtout, il est le parrain de l'événement et nous avons été voir son département. Normalement, même s'il est occupé, mais le fait qu'on nous a promis, s'il faut la présence de ces quelques membres de ce département et on ne les voit pas, ce n'est pas une déception, mais on dira en quelque sorte qu'on n'est pas aussi très très content de l'organisation. Mais vous avez vous-même vu l'ampleur quand même. Ce fut vraiment une réussite parfaite et nous remercions infiniment vous, nos partenaires médias. Le trophée de la 6e année. Et voilà, la 6e année remporte le trophée d'Ousmane Camara aussi. Version 2021 par l'un des coachs formateurs de l'Académie Soto. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté de me retrouver parmi mes anciens collaborateurs. Et de retrouver mes anciens élèves aussi qui sont là, qui sont venus apporter un de plus à l'organisation de cette école. C'est une école dont nous avons formé pas mal de cadres. Alors se retrouver là pour parler de football ou pour regarder un match de football, c'est un sentiment qui m'anime de plus. C'est vraiment de passer de voir pas mal de talents qui sont là. Alors à tout moment, on parle de football à la radio, à la télévision. Mais il faudra aussi se retourner à l'étoile pour voir ce qui se passe des réalités. Et partie de la sélection de l'école pour se retrouver à l'élite du football. Deuxième place.